Bonjour à toutes et à tous, atmosphère grandiose ici pour assister à cette affiche. Au micro, le meilleur duo depuis Dimitrios Papadopoulos et Kostas Katsouranis, Benjamin Da Silva et Omar Da Fonseca. Dans un instant, c'est le coup d'envoi d'un gros match. Attachez bien vos ceintures, c'est un quart de finale. Allez, de Ligue des Champions qui nous attend, l'Eintracht Francfort affronte le FC Barcelone. Et ils sont dans les 8 meilleures équipes européennes, c'est bien, ça ne suffit pas. Quand j'étais gamine, elle rêvait de quoi? D'être championne, pas d'être dans le top 8. Voilà, il faut montrer cette ambition tout de suite, dès le match aller. Qui vont démarrer côté Barça. Il n'y a pas de vérité. Tous les styles de jeu sont intéressants. Là, on va voir un style classique avec ce 4-3-3. Voilà le coup d'envoi de cette première période. S'enfonce là sur le côté, ce ballon vers Graham, et voilà la parade avec ce réflexe de la gardienne. Oui, il était difficile cet arrêt, il a bien anticipé, c'est magnifique ça. Ballon vers la surface, ballon capté sans problème. Le ballon change de camp. Il y a du monde en soutien. Attention à ce ballon. Une nouvelle occasion ici. Oui, la parade. Allez, bien frappé ce corner. Oh, le réflexe sur ce ballon. Vers le point de pénalty. Aucun souci là pour la défense. Ballon dégagé. Bien joué de la part de la défense, le danger est écarté. Superbe intervention dans la surface. Et Lucie Bronze qui progresse.
une possibilité de la concentrer. Oui, il faut frapper maintenant. Mais oui, le but. La cage était vide. Trop facile. Et donc, le but. On revoit la conclusion de l'action dans le but vide. On se demande où était la défense. Voilà le match qui reprend après donc le premier but de cette rencontre. Une possession offensive là, pour essayer de déséquilibrer la défense adverse. C'est un hors-jeu, l'arbitre a sifflé. Francfort là qui perd le ballon. Ballon dans l'espace de Bonmati. Ouais, la bonne entente sur cette passe. Goal, 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 goal. L'assaut. C'est magnifique. Cette reprise de volée. Et ça fait but. Voilà une action qu'on revoit avec plaisir avec ce centre parfaitement exécuté qui amène bien le danger dans l'axe. On a vu un haut degré de maestrie collective. C'est l'inestimable valeur de la confiance. Allez, deuxième but donc pour cette équipe. Ça fait 2-0. Rayong. Allez, la perte de balle de l'Eintracht Francfort. Tania Pavolek. Rose. Il y a du soutien en attaque. Un ballon bien travaillé pour ce centre. Cette reprise de la tête n'est pas cadrée. Dommage. C'est passé à quelques centimètres du poteau. Avec un peu plus de réussite, c'était but. Ah, la perte de balle. Lucie Bronze. Et ça part au deuxième poteau. Et la tête plongeante qu'avait Sasso. Quel but! Le centre qui part, tout le monde qui regarde et qui lâche son adversaire direct des yeux. Et voilà le cabezazo, la tête qui vient conclure un mouvement très intéressant et envoyer le ballon dans le but. Quelle première période impressionnante de leur part. C'est un festival de buts qu'on n'attendait pas aussi vite. C'est un vrai récital offensif. Il y a du soutien là pour attaquer. Lucie Bronze. Ah, bien placé pour une frappe peut-être. Bon passant sur cette reprise de volée. Un geste plein de spontanéité. C'est son tour. Sur ces images, ce centre de part bien appliqué qui surprend la défense. Un bon centre, c'est déjà la moitié d'un but. Faire simple, c'est ce qu'il y a de plus difficile. C'est ce qu'il y a de
Ah, c'est la punition, 4-0 au tableau d'affichage. Barbara Dolst. Excellente intervention. Caroline Grave. Olé, belle technique là. Olé, et encore un nouveau but. Quelle punition. Ce n'est pas évident quand tu arrives en fin des courses de conserver toute ta lucidité. Il faut arriver à faire la petite pause qui va te donner un peu de clairvoyance dans le dernier geste. Et voilà un match complètement déséquilibré, 5 buts à rien. Triangle. Ça arrive pour Prasnikar. Magnomi. La grosse opportunité, attention. Et bonne intervention, c'est bien repoussé ça. Alexia Poutelias. Et le Barça qui passe par les ailes. Occasion peut-être de marquer. Ah, il faut prendre sa chance maintenant. Ah, le ballon repoussé dans la zone dangereuse. Et le but mais qui va être refusé. Dommage, c'était vraiment bien fait. Et oui, ce hors-jeu, ça se joue à peine à l'épaisseur d'une carte bancaire. Le temps additionnel, 3 minutes minimum selon l'arbitre. Et l'offensive de Francfort dans le couloir. Attention la frappe. Intervention, super. Le corner. Et oui, c'est dedans! Avec ce geste acrobatique, la volée pour reprendre ce ballon, le propulser au fond des filets. Mais quelle adresse! On revoit ce corner, c'est parfaitement bien frappé, bien négocié. Le ballon redescend bien, mais la défense semble incapable d'intervenir. Il y a clairement une mésentente de la défense à la tombée. Ce petit temps de retard a suffi pour reprendre le ballon et marquer. Et voilà, c'est la fin de la première mi-temps pour l'Eintracht Francfort. Possibilité d'un pour centré, oui. Et c'est reparti dans ce match, le début de la deuxième mi-temps. Ouais, ballon perdu par les Blaugrana. Bonne pression qui permet de récupérer le ballon. On cherche le second poteau. Goal! Et encore
ce match hallucinant. C'est plus une défaite, c'est une déroute. Voilà une action qu'on revoit avec plaisir, avec ce centre parfaitement exécuté qui amène bien l'Orangé dans l'axe. Le placement idoine détermine et conclure par un geste simple. Il faut beaucoup de maestrie pour faire simple. Voilà, le jeu reprend et le score est donc de 6-1. Brass Picard. Ça arrive pour Dunst. Ballon pour Rolfeu. Quel bon sens. Toujours dangereux dans la surface. Et ce centre délicat à redresser de la tête. Mariona. Allez, il faut lever la tête maintenant. Bon pressing, très bonne récupération. Long ballon aérien et du coup la défense écarte le danger. Le ballon est récupéré. Et l'arbitre indique le corner. C'est un corner bien joué, bien frappé. Et ça passe pas loin du tout du but sur cette reprise de volée. Mais on n'y est pas. Donc, c'est raté. Ballon pour Bonne Maxi. Ah, c'est bon, un centre comme ça au second poteau. Goal, 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 goal. Et oui, sur cette très belle reprise de volée, l'équilibre est parfait. C'est imparable. On le revoit sur ces images, ce centre départ bien appliqué qui surprend la défense. Un bon centre, c'est déjà la moitié d'un but. Et ça se termine dans l'harmonie, la précision, la simplicité. Le plus beau but, c'est rendre ordinaire l'extraordinaire. C'est un score sans appel avec ce nouveau but. Dunst. Et non, l'arbitre accorde le coup franc, l'avantage n'a pas profité. De balle du Barça. Brass Picard. Ballon pour Bonne Maxi. Il y a une bonne occasion là. Et ça rentre, but. On revoit ce petit festival au milieu de la défense. Et puis on peut admirer tout particulièrement ses qualités à la finition de l'action. Après un tel esprit, ce n'est pas évident d'avoir encore toute la sérénité pour bien conclure.
Et avec ce nouveau but, la démonstration continue. Interception et récupération du ballon. Alexia Putellas, elle passe son adversaire et elle continue sa course. Attention, grosse occasion! Encore une chance! C'est une bonne intervention pour écarter le danger. Oui, il faut frapper maintenant. Bonne détente sur ce ballon. L'arbitre avait laissé jouer, mais elle n'a pas oublié ce carton jaune. Ce ballon vers Rolfe et un ballon renvoyé par la défense. Ballon pour Putellas. La frappe pour le but peut-être. Et but! Goal, goal, goal! Son deuxième du match, le doublé, inarrêtable, implacable. Quel sens du but! Voilà ce qu'on voit ici, c'est une mauvaise prise en formation qui entraîne ensuite une réaction en chaîne avec une perte de balle. Et surtout un but. Et un score de plus en plus déséquilibré avec ce nouveau but. Triangle. Ça arrive pour Krasnikar. Plus que 10 minutes à jouer seulement dans cette partie. Il y a une bonne opportunité à jouer là-dessus. Ah, là-dessus peut-être. Ouh, c'est contré, in extremis. Oui, sans commettre de faute. Patrick Buraro. Oh, l'interception très haut sur le terrain. Oh, et la parade. Allez, changement côté Francfort. Un corner qui est bien ajusté. Un ballon capté sans problème. Plus que 2 minutes à jouer minimum. Oh, c'est un bon ballon ça! Et c'est au fond, quelle performance! Voilà son troisième but dans ce match! Une efficacité redoutable et un sens du but diabolique! Le troisième but pour le hat-trick, quel match! On le revoit sur ce plan. On a l'impression que tout est réussi depuis le début du match. Qui reprend avec la démonstration qui se poursuit. Encore 4 minutes de temps additionnel à jouer au minimum. Attention, Caroline Grave. Et il y a encore le feu. Ah oui, c'est l'exploit. Voilà le deuxième but à son compteur. Rien de tel pour la confiance, rien de tel pour le moral. Et c'est peut-être pas fini. On ne peut pas toujours faire de la poésie et des chansons d'amour. Parfois, il faut aussi de la guitare électrique. Ce but, c'est du métal. Ouais, c'est un score sans appel avec ce nouveau but. Bien placé pour une frappe, peut-être. Oh, le bon arrêt, mais il y a encore danger. Le
centre finalement ne donne rien, c'est récupéré par la défense. Et on en restera là pour ce match, à souligner donc la bonne opération pour l'équipe qui se déplaçait aujourd'hui. C'est un résultat intéressant dans l'optique du match retour à domicile. Après cette magnifique prestation, on a la sensation qu'il ne peut plus arriver grand-chose à cette équipe. L'écart est très confortable avant le match retour. La qualif est très bien engagée. Caroline Graham. Olé, belle technique là. Olé, et encore un nouveau but. Quelle punition! Le corner. Et oui, c'est dedans! Avec ce geste acrobatique, la volée pour reprendre ce ballon, le propulser au fond des filets. On cherche le second poteau. Ballon pour Bonmati. Ah, c'est bon, un centre comme ça au second poteau. Goal, 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 goal. Et oui, sur cette très belle reprise de volée, l'équilibre est parfait. Ballon pour Bonmati. Et ça rentre, but! Ballon pour Boutelias. Et but! Goal, goal, goal! Son deuxième du match, le doublé! Inarrêtable, implacable! Et c'est au fond, quelle performance! Voilà son troisième but dans ce match! Une efficacité redoutable et un sens du but diabolique! Attention Caroline Graham. Et il y a encore le feu. Oh oui, c'est l'exploit. Voilà le deuxième but à son compteur. Rien de tel pour la confiance. Rien de...